Nous prier ensemble. To pray together. Alléluia. Hallelujah. Donc et c'est là ça où gagne en pile chance tout. That's when you have a greater chance. Get des informations. That there are information. Pour besoin passé. That you need to pass down to them. There's some values. Pour besoin passé. That you need to pass down to them. Ou passer dans conversation ça yo. You do that through the conversations. C'est pas les bagarres la fin mal net. It's not when things go bad. Et puis qu'on y a wap tirer sandales, wap tirer fourchette, wap tirer assiette. You're throwing shoes and sandals at them. Parce que nous pas prend temps pour nous te chita pour nous te communiquer les valeurs. Because you didn't take the time to sit down and communicate the values. Hallelujah. Donc cela veut dire donc nous encourager ça en pile dans le tabernacle de gloire. So we really encourage this at Tabernacle of Glory. Au moins une fois par semaine. At least once a week. Mettez un temps côté nous réunir ensemble, nous prier ensemble. Set a time together where you sit and pray together. Et surtout nous même qui gagnons, si monde qui n'a pas âge. Especially if you have younger children. C'est une opportunité pour nous réviser histoire ça yo avec yo. It's the best opportune time to share the stories with them. Hallelujah. Gloire. Bayo l'évangile là. Give them the gospel. Et bayo tout ça nous-mêmes nous y en tant que peuple. And also share what we are as a people. Donc équipe Tabernacle de Gloire là, il y a tout ton travail qu'il a fait pour encadrer Timoun Zayo. Nous-mêmes dans la mesure que nous capables, premier responsable là c'est vous-même. Mais nous-mêmes n'a pas encadré ou pour encadrer Timoun. But we will embrace you so that you can embrace your. Est-ce que vous entendez ça m'a dit là? Do you hear what I'm saying? Job nous c'est pas encadrer Timoun yo d'abord non. C'est job pas pour encadrer Timoun yo. Job pas nous. C'est encadrer ou pour encadrer Timoun yo parce que l'église pas jamais qu'a fait job que yon parent qu'a fait. The church will never be responsible for a parent's job. Est-ce que vous entendez ça m'a dit là? Do you hear what I'm saying? L'église pas jamais qu'a fait job que yon parent pas fait. The church will never be able to do the job that a parent should be doing. And it happens that some people come to me and say, Bishop Greg, talk to the children. They don't want to listen to me. If a child does not listen to their biological father, they won't listen to your spiritual father. If they won't listen to you, they won't listen to me. Point barre. You hear what I'm saying? If they don't listen to you, they will never listen to me. Ça que fait la coutume, c'est parce que le couteau d'abord. What will cause them to listen to me is because they'll listen to you first. Do you hear what I'm saying? C'est là le commencer. That's where it starts. Donc c'est dans la maison ça a commencé. It starts in the home. Après ça l'écouter d'autres autorités. Donc nous-mêmes nous voulons encadrer. We want to embrace you. Capable mieux faire travail là. To do the better. Donc non encadrement n'a fait yo nos livres ça yo. We have these books. Mais nous voulons dire non encadrement que n'a fait tout. And the embracing that we're doing. Donc, nous mettons plus accent avec le temps, nous allons mettre, nous voulons mettre également une classe créole, l'église là. We want to also have a Creole class in the church. Pour les enfants. For the children. Ça veut dire leur venant répétition et leur venant classe école du dimanche. When they come to Sunday school. Pour nous tout faire un temps également avec eux à montrer eux créole. Teach them Creole. Mais encore, vous connaissez ça, nous voulons dire. But you know what we're trying to tell you? La réalité est que une classe créole pour une heure temps le dimanche. A 1 hour class on Sunday morning. Est-ce que nous commençons à dire là? Do you hear what I'm saying? Il can renforce le travail là. It can reinforce the work. Mais pas faire travail là. Mais si vous même moi fait travail là à la maison, nous même la renforcer. Ensemble nous ca fait travail là. Ben bon Dieu, un bel applaudissement pour ça. Give the Lord a great round of applause for that. Hallelujah. 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 Yeah, really fair. Bon Dieu fair. Really fair pour moi. Bon Dieu. Non. Really fair. Bon Dieu fair. Willy, fais pour moi, bon Dieu, n'en fais. Willy, bon Dieu, fais. Willy, fais pour moi, bon Dieu, n'en fais. Will he fair? Bon Dieu fair. Will he fair pour moi? Bon Dieu, non. Nous lisons ensemble Jean chapitre 3 verset 16. Let's read together John chapter 3 verse 16. Ou bien réciter l'ensemble. Or recite it together. Jean chapitre 3 verset 16. John 3 verse 16. Lisons ensemble, car Dieu a tant aimé le monde. For God so loved the world. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va nous télévision nous, donc on nous lit déclaration de vision nous quand même. Let's read our declaration of vision together. All right. On nous lit ensemble, il dit, notre but au tabernacle de gloire, c'est de former une famille aimante qui glorifie Dieu par une vie d'adoration passionnée, de prière fervente, d'application fidèle des Écritures, de communion fraternelle sincère, d'évangélisation efficace et d'une solide formation de disciples pour l'expansion du royaume de Dieu dans le monde entier. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. All right. Jean 3, verset 16 dit, John 3, 16 says, car Dieu a tant aimé le monde, for God so loved the world, qu'il a donné, that he gave, son Fils unique, his only son, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, so that whosoever believes in him will not perish, mais qu'il ait la vie éternelle. But will have eternal life. Car Dieu a tant aimé le monde, for God so loved the world, qu'il a donné, that he gave. Nous focaliser sur le mot donner. I'd like to focus on the word give today. Le don, the gift, le grand, le mot, vous comprenez moi, qui gagne un poids dans verset ça. The word that has the weight in the verse. Perhaps the most important word in that verse is the fact that God gave. I know we put a lot of emphasis on the word love in the verse, but it's the giving. Aimer a pas signifié grand chose. Without the giving, the loving is not. Parce que le capable signifie l'amour frivole que monde gagne. It might be talking about the frivolous love that people have today. C'est le don. It's the gift. Qui va prouver la valeur. That will prove the value de cet amour. Of that love. Donc, texte a montré nous en ce dimanche de Pâques. And this Easter Sunday, this text shows us que le Dieu que nous servons, that the God who we serve, c'est un Dieu généreux. He is a generous God. Donc ce matin rapidement, je voulais parler de la générosité de Dieu. So this morning, quickly, I'd like to talk to you about the generosity of God, a generous God. Bon Dieu que nous servons, son bon Dieu qui généreux. The God whom we serve is a God who is generous. Non. Psalm 145 verset 9. And Psalms 145 verse 9. Psalmiste l'a dit, Yahvé est généreux envers tous. The Bible says that Yahweh is generous towards all. Et sa tendresse, and his kindness, embrasse toutes ses créatures. Embraces all of his creatures. Yahweh, Yahweh, Yahvé est généreux, Yahweh envers tous. Is good to all. Nous servons un Dieu généreux. We serve a God who is generous. Nous voyons la générosité de Dieu manifestée dans la création. We see the generosity of God manifested in creation. Avant que l'homme créé, before man was created, bon Dieu prend le soin pour le mettre à disposition de l'homme toute bagaille que l'il ait besoin. God put the time to put all the things that man needed at his disposal before man was created. Et assurer que le gagnant soleil, make sure he had the sun, rivière, that he had river, étoile, that he had the stars, bois, that he had trees, les animaux that he had animals bon there. Dieu même créer God went as far as creating gold and silver and crystallites, les pierres précieuses, precious les métaux précieux, and precious metals. Bon Dieu créé toute bagaille. God created all of those things before he created man. L'homme vini, when man appeared, il joint tête li, rentré dans l'abondance, he found himself entered in abundance, rentré dans la richesse, and in riches. Ça fait ça parce que bon Dieu, son bon Dieu, généreux. The reason why is because God is a God who is generous. Dans la création, so in creation, l'homme libéralement et généreusement. God gives liberally and generously to man. Everything that man needed. When you're looking at the works of redemption, l'œuvre de la rédemption reflétait également la générosité de Dieu. It also reflects the generosity of God. Lorsque Jésus t'a parlé, la femme samaritaine du salut, when Jesus was speaking to the Samaritan woman about salvation, il prend une métaphore. He took a metaphor. Une métaphore de l'eau. A metaphor of water. Il dit, and he said, il dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Il n'a pas dit un gobelet de l'eau. Il n'a pas dit une tasse de l'eau. Il n'a pas dit un drum de l'eau. Il n'a pas dit une piscine de l'eau. Il dit l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous avez aimé? Il n'a pas parlé un gobelet. Il n'a pas donné un cup. Il m'a lié une source. En d'autres termes, l'offre expérience salut avec Jésus. In other words, when you have the experience of salvation with Jesus, la satisfaction qu'on gagne lors de rencontre avec Jésus, c'est un couillon de l'eau qui a coulé de pas jamais arrêté. It's as if a water that is flowing that never stops flowing. Jésus c'est pour une tasse de l'eau ou bien un gobelet de l'eau. Et puis je dis à Libon après ça ou soif encore. Est-ce que n'avez pas? Mais de pour jouer avec, quelles que soient les circonstances de la vie, même le bagage au pire mal, c'est là où les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque temps où elle dormit, ou dit ah l'Éternel finit avec. Pour ça fait l'autre ah bon ça finit. Et puis elle se renouvelle chaque matin. Every morning he renews them. De même matin, on joint grâce encore. De même matin, on joint compassion encore. De même matin, on joint pardon encore. Parce que sous salut, c'est pour une tasse de l'eau, un gobelet de l'eau, une piscine de l'eau qui finit avec un temps. Mais c'est de l'eau qui dure jusque pour l'éternité. Est-ce que vous avez aimé? Parce que bon Dieu est généreux dans l'œuvre du salut. Il a été généreux dans l'œuvre de la création. Et il reste généreux dans l'œuvre du salut. Est-ce que nous entendons ça m'a dit là? Et bon Dieu, tout là nous gagnons, problème nous vient devant. And when we have problems, we come to God. Et nous mandel, and we ask of him. Le labaye, libaye généreusement. When he gives generously. Libaye libéralement. He gives liberally. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, est-ce que y en a nous qui manquons sagesse? The Bible says, does anyone lack wisdom? Il dit qu'on ça, si nous manquons sagesse, dans 1 Jacques 1 verset 5. And James 1 verse 5. Là, un sagesse, il dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse. He says, if any of you ask for wisdom, qu'il demande à Dieu. Et puis regardez comment il dit comme ça. L'homme demande avec bon Dieu. Qui ça bon Dieu a baou? La boy un petit goût de sagesse. La mesurer sagesse là. La boy moitié sagesse. La fait économie. L'homme gagne ou prie au mandel comment le bail. Il dit la baou libéralement. La baou généreusement. Il est généreux à la création. Généreux dans l'œuvre de la rédemption. Généreux dans l'exaucement de nos prières. Le bon Dieu a pas exaucé prière, pas exaucé, pas qu'on goûte. Il baille libéralement. Parce que bon Dieu que nous observons, son bon Dieu généreux. En nous dit généreux. Et puisque bon Dieu son bon Dieu qui est généreux. Et nous-mêmes nous créés à son image. Cela veut dire tout nous-mêmes. Il relève pour nous généreux. Dans le monde que nous sommes. Dans ça que nous faisons. Parce que nous créés à son image. Et nous créés à sa ressemblance. Donc, jeudi, en ce dimanche de Pâques, Qui challenge mon Dieu Abbanou? What is the challenge God launches to us? Challenge de la générosité. He's giving us the challenge of generosity. Comment nous capable plus généreux avec toutes les ressources que Dieu nous a données? How we could be more generous with all the resources God gives us. Dimanche Pâques ça, comment me capable plus généreux avec temps? This Easter Sunday, how could I be more generous with my time? Comment me capable plus généreux avec temps? How can I be more generous with my time? Me connais ou busy. You know that you're busy. You're busy and occupied. You have lots of projects. You have lots of plans that you want to accomplish in your life. But in this Easter Sunday, I've come to challenge you to become more generous with God in your time. Even if you're busy, find more time to pray nevertheless. Even if you're busy, find more time to read the Bible. Find some time to serve in ministry nevertheless. Because the God whom we serve is a God who is generous. And in return, encouragez-nous pour nous servir généreusement. He encourages us to serve him generously. Que nous ça, avec temps, nous. And one of the ways we do that is with our time. Let's be more generous with the talents God gives us. Many of us have many years of experience. So we're working. We accumulate. A whole set of skills. We have a storehouse of skills that you've accumulated. Perhaps some of you may have 3 master's degrees. Some may have 2 PhDs or doctorates. Some of you may have 35 years of experience. You're in a high-ranking position. But have you noticed with all your skill sets, one day you will die. All of the knowledge, they will perish if you don't transfer them to someone else. You may spend 50 years in school. You're working hard. You're learning. You're doing this. You have a doctorate. You have experience and expertise. But one day, this great knowledge will go down to the grave. And all will perish. If you don't take the time to say, I'm going to be generous with my time. Let me invest in someone else. Let me invest in some young people. Let me invest in the next generation. Let me show someone else what I do know. With all the storehouses of everything you know, all will perish. Are you with me so far? So let's be more generous with God, with our time. Let's be more generous with our knowledge. Beyond the job, let's make our generous, which is good, be more generous with your knowledge. But how can I use this skill set to make more impact? That way I look more like God. The third thing, I want to encourage you to be more generous with your material resources, your financial resources. Just as I was saying, all the education you have, when you're going and leaving, they will all perish. You won't leave with them. With regards to finance, all the things you have, once you leave, all will stay behind. And you don't know who will manage them all. During the day, I was in a conversation with someone. And we were talking about the famous basketball players who just died. Kobe Bryant recently died. JR, yeah. I was talking to Brother JR yesterday. While we were traveling, I was talking about Kobe Bryant. For him to become a very famous basketball player, Chaque jour, chaque temps, il y a entraînement. Il finit 3 heures de temps avant entraînement. Every time of training, he came 3 hours before the official time of training. Avant entraînement commencer, le ligantin commence. 3 hours before the training time, he started training. Et le joueur finit quitter. And after all the players left. Et puis il restait yon l'autre valeur temps qu'on l'a entraîné. And he stayed to train himself even more. Yon fameux. To become a famous basketball player. And he did become a very famous basketball player. A legendary basketball player. Allowing him to accumulate a huge fortune. A great amount of fortune. And suddenly, his life ended with an accident. All the riches that he accumulated, he left them all behind. And now, sooner or later, the wife has to remarry. A brother who's going to come is not going to know how to play basketball. The brother never trained. The brother's not sweating. And this is the brother who's going to manage. You see the vanity of life? You must do something serious with your money. Make an eternal impact with your money. The vanity of life. So the God who we serve is a God who is generous. And in return, he also calls us to be generous in our time, in our knowledge, in our money. Because by doing so, we're reflecting the nature of God. But I will conclude with this. You cannot be generous neither with your time, nor with your finances, nor with your knowledge, until you're generous with yourself. The first thing you give to God is your very own life first. When you give yourself first to the Lord, it's easy to give it all. Everything else becomes easy. When I give God my life first, it's not difficult to find the time to serve him. When I give God my life first, it's not difficult to show somebody else what I know. When I give God my life first, it's not difficult to contribute to his work and his labor, because God has me first. Regardez ça, 2 Corinthiens 8, versets 3 à 5 dit. L'apôtre Paul parlant des Thessaloniciens. Il dit, je l'atteste. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens. Et regardez qui ça dit. Et même au-delà de leurs moyens. Non seulement ils ont donné selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens, et il dit, et avec beaucoup d'insistance, en d'autres termes, des begging, avec beaucoup d'insistance, il dit, mais ça que fait, yo bail selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens, et avec un pile d'insistance, yo insistait pour yo bail. Il dit, parce qu'ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur et puis à nous selon la volonté de Dieu. C'est parce que yo bay tête yo d'abord à bon Dieu qui fait yo capable bay au-delà même de leurs moyens avec insistance. Parce que le bon Dieu gagne cœur. He has everything else. There's a Nigerian proverb that says, mais l'ouvri, the hand will open. Someone's hand will open. But it's the heart that gives. Your hand will open. But it's your heart that gives. Donc, en ce dimanche de Pâques, so in this Easter Sunday, je vous encourage I will encourage you à la générosité to be generous dans tous les aspects de votre vie. In all aspects of your life. Mais pour faire ça, but in order to do that, Jésus a donné sa vie pour vous. Jesus gave his life for you. Et vous, en retour, and you in return, c'est donner votre vie à lui et pour lui. You're to give your life for him and to him. Et par ailleurs, quittez me dire ça en passant. And let me say this in passing. Ce n'est pas un échange. It is not an exchange. Son acte de reconnaissance. It is an act of gratitude. Jésus baille la vie pour Jesus gave his life for you. Ou même en retour, on baille la vie pour lui, mais c'est pas un échange parce que deux vies ça yo. It is not a mutual exchange. Deux vies ça yo pas gain même valeur. Because those two lives do not carry the same value. C'est pas un échange. It's not a mutual exchange. C'est quand vous gon petite. It's as if you have a child. Vous choisissez voyer le nom grande université privée aux États-Unis. You choose to send him to a private university, famous university in the US. Vous payez $100,000. You pay $100,000. Pour l'IMBA qu'on a, etc. $100,000, $150,000 pour le temps d'études liées à l'université. $100 to $150 for their student fees in the university. Et puis, jour là gradué. And the day they're graduating. Après le fin de graduer, l'acheter une belle plume. After he's graduated, he bought a nice, $25,000 pen. He says, Father, here's what I'm giving to you in return for all you've paid for me. It's not a mutual exchange. Are you with me? C'est pas un échange. Plume $25. The $25,000 pas un échange pour $100,000, $150,000. It's not worth the exchange for $150,000 tuition you paid. Mais on va pas apprécier le quand même. But you'll appreciate the pen. On va pas apprécier le quand même. On va pas apprécier le en pile. You will appreciate it a lot. Parce que c'est un acte de gratitude. Because it's an act of gratitude. Service nous pas jamais payer le salut. Our service will never pay for salvation. Temps nous pas jamais payer le salut. Our times will never pay for salvation. Offrande nous pas jamais payer le salut. La vie nous même si nous sacrifions toute vie nous. Jamais payer le salut. Mais l'un bail vie nous à bon Dieu. Ça veut dire Seigneur, me remercier pour tout ce qu'on fait pour moi. Le salaire du péché c'est la mort. Je dois passer la vie dans l'éternité malheureuse. Mais on t'est mouru pour moi. On t'est prié. Pour sauver. Et m'offrir la vie. Comme une plume $25. L'idée doit pas vouloir dire en pile bagaille. Même vouloir dire. But I want to tell you that I'm grateful for what you've done. I'm grateful for what you've done. And I thank you for what you've done. Hallelujah. Hallelujah. Ça, c'est un geste de gratitude à l'Éternel. So, en ce dimanche de Pâques, so Sunday, le Dieu généreux vous appelle à la générosité dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Let us clap unto the Lord. Maintenant, so now, I'd like to give the opportunity to everyone who's here who've never given your life to Jesus. And this morning, after you've heard this message, you say you'd like to present your life to Jesus. Look at me for a moment. Look at me before we pray. Look at me for a moment. Jesus said something. He says, he who wants to keep his life will lose it. But he, the one who loses his life for my sake, will gain it. In other words, your life, all as long as you hold on to it for yourself, is the more you'll lose it. Your life will make sense. It's when you give it away. I'll say it again. Your life will make sense. It's when you give it away. Nowadays you hear, I'm finding myself. I need to find myself. Many people are saying, I need to find myself. révolutionnaire Gandhi, but there's a revolutionary named Gandhi qui te dit une fois, who said once, the best way to find your life meilleure façon que vous joindre la vie is to give it away by serving others. C'est pour bailler pendant que vous servez l'autre. Meilleur gens ou joindre la vie ou c'est bailler la vie au service des autres. The best way to find your life is to give your life away to serve others. Moun qui senti ap viv. Those who feel like they're living are those who stop living for themselves. Oh, I don't know if you heard. I'll say it again. The ones who feel that they're living. The ones whose life makes sense. The ones who have the joy of living are those who stop living for themselves. Yo joigne yon bagay, yo joigne yon bagay, yo joigne yon cause, yon bagay qui au-delà. A cause that goes beyond. Mais tout autant yon moun a vivre pour tête ou. But as long as somebody's living for themselves, all they're interested in is my bills, my house, my stuff, my belongings, etc. You have all sorts of problems. You might even be depressive. You may even suffer depression. When you find a cause that is greater than you for you to live for, that's when you start living. Martin Luther King said once, a man has not started to live until he finds a cause willing to die for, that he's willing to die for. A man has not started to live until he finds a cause that he is willing to die for. It's when you find a great cause in life. And you say, I'm going to put my being available to that cause. And now life will be real. Every moment, every instance will make sense. It will have meaning. Mais si là vous résumez achita non ka regarder télévision match football boire quelques bagages et puis payer un bill. But if your life is summarized in just drinking, watching football, sitting and talking and watching TV. Fais plus avec la vie au matin. Do more with your life nowadays. You could do more. You could do more. Let's bow our heads. Donc ou même qui dans salle là. So if you're in this house now, if you've never given your life to Jesus, and you'd like to give your life to Jesus for the first time, or you give him, you already gave him your life, but there was a moment that you had backslidden. You veered off the path. This is the moment to come back. While all heads are bowed, in all of the campuses, right here, I want to give you the opportunity. If you'd like to give your life to Jesus for the first time, or you'd like to come back home, simply raise your right hand. I'd like to pray for you. Raise your right hand now. I see that hand. Raise your hand. Lift it high. I see that hand. I see that hand. Lift it high. Lift it high. I see that hand. Lift it high. In all the campuses, lift your hand high. I see those hands. Here's what I'm going to ask now. Wherever you are now, stand up now. Come forward. I'd like to pray for you. Applaud the Lord as they're coming forward. As they're coming. Hallelujah. Give the Lord a great applause. Boston and all the campuses. Vernon, Cap Haïtien. Cap Haitian. Yeah. Give the Lord a great round of applause. La vie moi, papa, recevoir moi, non Jésus, ou même qui en ligne qui t'a remis par Jésus la vie ou. If you're online, you'd like to give your life to Jesus. Cliquez sur lien numéro 1 en bas page là. Et on capable prendre décision ça pour par Jésus la vie ou. Avancez Kounia, lien numéro 1, cliquez sur lui. Ou capable faire ça. Nous allons chanter chant ça une fois de plus. Encore comme nous dit. Si on en salle là, ou t'es par Jésus la vie ou. Mais à un moment où t'es quitté chemin, ou voulez retourner dans place ou. Ça c'est opportunité. Nous allons avancer devant encore. Avancez devant, nous prions pour. Si vous convertissez mon poco, j'aime plonger dans les eaux du baptême. La prochaine fois que baptême, dans le tabernacle de gloire, ou t'allez plonger dans les eaux du baptême. Kotoéa, nous allons avancer devant également. Si vous venez dans le tabernacle de gloire, mais au poco, j'aime planter. Ça veut dire poco, j'aime vignon membre. Ou visiter plusieurs églises. Mon poco, j'aime planter dans l'église. C'est important pour planter. Parce que c'est pieds bois qui plantent qui baillent fruits. C'est pieds bois qui plantent qui prospèrent. C'est pieds bois qui plantent qui vivent. Donc il est important pour planter. Donc pendant que je chante ça encore, même moi je viens offrir ou la vie moi. Quel que soit côté où tu as aimé baptiser, ou tu as aimé plonger dans les eaux du baptême, ou tu as aimé planter, quel que soit côté où avancez devant également et puis n'a prié avec vous. Ou même qui est en ligne qui veut prendre décision ça yo. Lien numéro 1 pour moun qui en ligne et pour moun qui en Haïti. Numéro de téléphone 4906 23 23. Alléluia. Ou capable de lever qu'on y a dit même moi. Encore dit même moi. Chantez ta prière. Dis ça vide au fruit. La vie moi. La vie moi. Chantez ta prière, papa. Pour recevoir. Recevoir moi. Non, non, Jésus. Cool. Suspend vivre pour Kounia ma vie. Pour oh, suspend vivre pour Kounia. Papa mon Dieu, Kounia, suspendu, Kounia, pour dis même papa mon Dieu, même Recevoir. Recevoir moi. Dans le nom de Jésus. Coulière. Dis même moi. Même moi. Vino fouillou. La vie moi. La vie moi. Papa, recevoir, recevoir, dans le nom de Jésus, Kounye, dis suspendu, suspendu, Kounye. Papa, mon Dieu, suspend vie pour moi. Yeah, yeah. Suspend vie pour moi. Pour ma vie. Dis Satan pour yon prière. Suspend vie pour moi. Suspend vie pour moi. Une dernière fois, levez mes on dit avec tout cœur, on dit mais moi, dis non free oui, dimanche pas que ça, la vie moi, papa, recevoir, recevoir. Non, Jésus, encore plus fort, mais moi, dimanche pas que ça, ouais, il offrit tout ça me gagne, papa, tout ça me gagne, tout ça me possédé, avec ton talent, papa, papa, recevoir. Recevoir, non, non, Jésus, Coulière, encore dis mais moi, vino fruit, la vie moi, la vie moi, papa. Recevoir, recevoir, non, non, Jésus, suspendue, pour ma vie, suspendue, Seigneur, papa, bon Dieu, n'a pour moi, suspendue. Suspendu, oh yeah, 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 yeah. Suspendu, tout qui vient devant nous capable de faire prière ça. Ça c'est prière pour accepter Jésus ou bien pour retourner à la place où pour plonger dans les eaux du baptême, mais pour prendre l'autre dimension avec mon Dieu. Nous tous qui viennent devant nous capable de répéter prière ça. Ou même qui dans le campus sont capable de répéter. En nous aider à l'église, dis Seigneur Jésus. Moi remercier. Parce que par la cœur, moi, je rends moi compte, moi, je suis un pécheur, I've done wrong in your sight. But your word says that you sent your son, Jesus, to come down for me. Jesus. Right this minute, I give you my life. Take it. Have your way with it. Write my name in the book of life. Pour le pas Jean effacer encore. Remplis-moi et scellez-moi avec cet esprit. Utilisez-moi comme un instrument pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Félicitations. Congratulations. Je dis à ces meilleures décisions que nous capables de prendre. Today's the best decision you can make. Mais c'est pas la fin. But it's not the end. It's not the end. C'est pas la fin. It's the beginning of a beautiful journey with God. C'est le commencement d'un bon journée avec Jésus. Et dans Tabernacle de gloire, nous voulons encadrer notre trajet ça. Glory, we want to embrace you in this trajectory. À partir de l'information que vous voyez pour nous. So based on the information you've given us. Donc non. N'ayons temps très court, moins de 48 heures de temps. In less than 48 hours time. We will call you. Et n'a placé au dans un groupe de prière. Pour que des frères et sœurs qu'avaient au capito grandir dans la foi. Parce que la vie chrétienne a besoin de mon amour. Félicitations. God bless you. We will be in touch. Come on, let's give the Lord a round of applause. Alléluia. Suspend vivre pour moi. Kounia ma vie. Pour moi, suspend vivre pour moi. Kounia ma vie. You know. Façon que nous montrer bon Dieu que nous vivons pour lui. One of the ways that we show God that we're living for him. C'est lorsque nous accordons bon Dieu première place. It's when we give God the first place dans la vie nous. In our lives. Première place dans la vie. The first place in our lives. Bon Dieu. God. Bah nous première place. He gives us the first place. Dans la vie parle. In his life. C'est ça que fait l'heure. That's why when it was time for him to send someone to die for us, he didn't send Noah or Jacob or even Gabriel or Michael or one of the cherubs. He took his only son. Le premier-né de la création, c'est-à-dire Jésus. The firstborn of creation, meaning Jesus. Il prend son premier-né. He took his firstborn. Il prend son fils unique. He took his only son. Et bien, il voyait. And he sent him. Il bat nos premières places. He gave us the first place. Et en retour nous-mêmes. And in return, we. Il est important que nous accordions la première place en toutes choses. It's important that we place him in first place in all things. C'est ça que fait premier jour de la semaine appartenir à lui-même. That's why the first day of the week belongs to him. Les premières heures de la journée. The first hours of the day. C'est heure de prière aux premières minutes de la journée l'appartenir à Dieu. The first minutes of our day belongs to God. Et chaque année, première récolte t'y appartenir à l'Éternel. And each year, the first harvest belonged to the Lord. C'est ça, il y a les prémices. That's what they call the first fruit. Donc chaque dimanche Pâques. So every Easter Sunday. Dans la Bible. In the Bible. Ils t'y porté les prémices. They brought the first fruit. Dans la maison de l'Éternel. Into the house of the Lord. Prémices signifie Seigneur. Ma première récolte là. First fruit says, Lord, I'm going to give you the first harvest. Pour me rappeler que c'est au même qui est en premier dans la vie. Reminding myself that you're first in my life. Donc, quel que soit à côté où you are now, pendant semaine temps, all throughout this week, depuis vendredi soir, nous commençons à recevoir les offrandes de prémices. Starting Friday night, we started to receive the first fruit offerings. Et matin, on a continué à recevoir les offrandes de prémices. And this morning, we'll continue to receive the first fruit offerings. If you're here, you've never presented your first fruit offerings to the Lord. You have the opportunity right now to present your offering to the Lord. Nous avons prémisse et une récolte, cela veut dire aujourd'hui c'est équivalent, un chèque de travail. A first fruit is a harvest, which means it's a whole paycheck dans la maison de Dieu. That I bring into the house of the Lord. Et puis me dit Seigneur, je t'accorde la première place dans ma vie. And say Lord, I'm granting you the first place in my life. Et cela s'appelle nos prémices. And that's what you call a first fruit. Dans minute ça nous allons inviter tout le monde qui peut qu'on ait chance pour présenter enveloppe prémission. So right now we're going to give the opportunity for everyone who has not presented their first fruit Friday night or during the week, ou bien tout le monde qui peut prendre décision même. Or everyone who had not taken the decision yet. Pendant que nous allons présenter nos offrandes régulières. This morning, as we present our regular offerings, while all those who are online, pendant que nous passons les paniers pour recevoir offrandes ordinaires, to receive the ordinary offerings. Même demander tout le monde qui peut présenter offrandes prémission, il y a des pas devant, ils sont capables de déposer sur l'autel ou bien sur la chair, ils sont capables de déposer au nom de Jésus de Nazareth. Tout le monde capable d'offrande régulière, cliquez sur le lien numéro 2 Kounia au bas de la page et présentez. Ou même capable offrande régulière, ou capable prendre une offrande enveloppe normale, ou capable présenter offrande régulière et offrande régulière, il y en a recevoir dans panier dans congrégation, mais tout le monde qui peut présenter offrande prémission pendant que n'a passé offrande régulière dans panier, tout le monde qui a présenté offrande prémission, cliquez, avancez pas devant, présentez offrande prémission à l'Éternel des armées au nom de Jésus. On nous fait ça, on nous fait ça. Si vous avez besoin d'enveloppe, si vous avez besoin d'enveloppe, prémisse, ou capable de lever, mais il y a fort joindre au nom de Jésus. Si vous ne jamais prendre enveloppe prémisse, ou t'as même fait ça, ou capable de lever, mais et un usher capable de fort joindre au nom de Jésus. Ou bien, ou capable seulement venir devant. Si vous pouvez rejoindre enveloppe, ou capable d'avancer devant, venir prendre enveloppe, il y en a même, de toute façon. Venez offrir. Moun cap déposer offrande prémission, yo capable déposer yo. Moun qui peut qu'on jamais prendre enveloppe, ou capable avancer, prendre yo en même. Recevoir. Recevoir. Dans nom Jésus. Ou même qui a ligne, cliquez sur le lien numéro 2 Kounia. Lien numéro 2, présente offrande prémission à l'Éternel. Lien numéro 2. Tout le monde qui a besoin d'enveloppe prémission, ou capable, viens devant Kounia et puis prends au nom de Jésus. Cliquez sur lien numéro 2. Lien moins. Vino friouya. La vie moins. Lien numéro 2. Présente offrande prémission à l'Éternel. Lien numéro 2. Lien numéro 2. Lien numéro 2. Lien numéro 2. Suspend vivre pour moi. Cliquez lien numéro 2. Lien numéro 2. Lien numéro 2. Présente offrande prémisse à l'Éternel. L'offre présente offrande prémisse. Et n'a prié sur le dimanche. N'a prié sur le assoir. Lien numéro 2, lien numéro 2, lien numéro 2. Présentez offrande prémission à l'Éternel. Lien numéro 2, lien numéro 2, lien numéro 2. Cliquez sur le lien numéro 2. Présentez offrande prémisse à l'Éternel. présenter en ligne. N'a pas rappelé enveloppe là pour. Et n'a pas chance de prier sur le soin. Dis-moi. Lien numéro 2, lien numéro 2. Application Shekina, cliquez sur le bouton. Alléluia. Donc, à soir, nous allons présenter toute enveloppe prémisse. Donc, il y a des gens qui sont en ligne. Qui demandent si les gens qui présentent enveloppe prémisse, comment eux même qui présentent en ligne, qui s'en a fait. Those who present online, how they do it. Ligne, if you're online, présenter offrande prémisse. Present your first fruit offering. À partir d'informations qu'on a nous. Pour présenter offrande en ligne, based on your profile that you provided us online, nous avons une équipe qui a rempli l'enveloppe là pour. We have a team that will fill out your envelope. Donc ça veut dire à soir, on a prié sur toute enveloppe. So tonight while we pray over all the envelopes, your envelope will be here. Will be here as well. So we encourage you. Pendant toute reste journée, all throughout the rest of the day, à nous continuer relais. Let's continue to dial, à nous continuer présenter offrande prémisse nous à l'Éternel pendant toute journée. All throughout the day. Et à soir, and tonight, nous allons avoir chance prier. We'll have a chance to pray. Nous allons fermer. We'll close out. Cette nuit de combat. The 7 nights of warfare. Hallelujah. Comme nous te dit, weekend ça son weekend chanté enterrement pharaon. As we said, this is a Pharaoh's funeral weekend. Son weekend chanté enterrement pharaon. This is Pharaoh's funeral. Et nous déclarer depuis ces pharaons. We declare every single pharaoh in our lives. Et bien pour nous chanter enterrement au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Dimanche ça, on va venir l'église de assoir, on va venir l'église. Tonight when you come to church. Cherchons bel rat blanc pour mettre même j'avais. Look at some nice white clothes to wear. Et pour rat blanc disponible, mettons en blanc parce que blanc c'est couleur de victoire. The color white is the color of victory. Alléluia, nous allons célébrer victoire. We're going to celebrate victory. Sous tête toute pharaon. Top of the heads of every pharaoh. Qui campe devant nous au nom de Jésus. Combien monde qui d'accord avec ça? People agree with that. Levez-moi là, dis gloire. Dis gloire, gloire. Dis gloire, gloire, gloire. Nous allons prier sur l'offrande prémisse. Et puis nous allons chanter enterrement tout pharaon. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour marcher de victoire en victoire. Nous dit de victoire en victoire. Nous dit de victoire en victoire. Nous dit de victoire en victoire. Soudain comme ça, dit gloire. Dis gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Au nom de Jésus. Ok. Yon bagay ki important. An important thing. Assoir. Tonight. On l'autre raison pour pas rater assoir. Another reason not to miss tonight. Assoir nous gagnons mise à jour. Tonight we have an update. OK, très importante que nous bral baou sous building. Very important update we'll give you on our building. Yeah. We have an update. Très important. That is extremely important. Sous building, non? About the building. And it's a good news. Hallelujah. Hallelujah. So bonne nouvelle. It's a good news. So bonne nouvelle. It's good news. Donc, so, pas rater à soir. Do not miss tonight. Il y a une soirée spéciale. It will be a special night. Parce que n'a marché de victoire en victoire. We're walking from victory to victory. Bon Dieu, bel applaudissement. Hallelujah. Hallelujah. Continue de frapper mon bâton de gloire. Continue de frapper mon parce que son journée de victoire. Levez-moi du gloire. Lift your hands and say glory. Say glory. Avant nous bailler bénédiction. Before giving you the benediction. À nous connecter offrande yo. Let's collect our offerings. Si ou même ou te rempli une carte de connexion de façon physique. If you fill out a connection card physically. Nous encourageons capable déposer dans basket. We encourage you to drop it in the basket. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Dieu de grâce, Dieu de bonté. God of grace and of mercy. Dieu de miséricorde. God of goodness. Pendant petit tu as présenté offrande. While your children are presenting their offerings. Même j'ai présenté généreusement. Just like they presented generously. Ou même l'Éternel. You, O Lord. Qui sont Dieu généreux. Who are a generous God. Visitez-les de façon extraordinaire. Visit them in an extraordinary way. Et que gloire est capable de manifester dans la vie. Glory will manifest in their lives. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Vous capable continuer passer basket yo. You may continue to pass down the baskets. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. En nous recevoir toutes amis qui visiter nous pour la première fois. Let's greet all our friends who are visiting us for the first time. We ask you to please stand. We'd like to formally greet you. Those of you who are visiting Tabernacle of Glory, clap your hands and acclaim God for their presence. In the name of Jesus of Nazareth. Tabernacle of Glory. Let's stretch our hands towards them. Let us bless them. In this Resurrection Sunday, we declare in their lives everything that was dead. May they come back to life. May God's life go through you. May his name be glorified in the name of Jesus of Nazareth. Glory to God. Let's give them the opportunity to leave first. Please follow one of the ushers. Thank you for having visited us. Happy Easter in the Lord. And our friends who are online visiting us, click on link number 9. We'd like to formally greet you in Jesus' name of Nazareth. Don't forget tonight. What do we have tonight? What do we have tonight? Tonight, we're going to close out our 7 nights of warfare. How many people were blessed throughout these 7 days? Donc marchez bonheur, marchez bonheur. Donc invitez nos amis, invitez nos amis. Pas marcher pour compte tout. Donc même j'ai papa spirituel nous dit. Pendant toute journée, continuez à présenter offrande prémissou. Ou même qui en ligne, continuez à présenter. Et puis comme ça. That way God will be glorified. Let's stand to receive the words of benediction. We declare over your lives. May the God of miracles. May the God who died and resurrected, who's living eternally, may he manifest his glory in your lives. May he manifest his glory in your lives. May he cause the impossibility to become possible. May he open doors that you never thought for his glory in his name. In the name of Jesus of Nazareth. Go in peace, may God bless you. And happy Easter in the Lord. Happy Easter. Famille Royale, préparez-vous pour une aventure géniale.